La suite de cette édition, la présidente de l'Association pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables, Fatimé Bokara-Okossé, mène une vaste campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la scolarité des filles dans la partie méridionale du pays. À la tête de son équipe, elle s'est rendue successivement dans la sous-préfecture de Dogou et celle de Laoukassi dans les régions de la Tandjilé et du Logono occidental. Reportage, Varelet. En tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la scolarisation des filles, la présidente de l'Association pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables, Fatimé Bokara-Okossé, a débuté par la sous-préfecture de Dogou dans le département de la Tandjilé-Ouest. Dans cette localité, les autorités traditionnelles et coutumières, les responsables administratifs et les leaders religieux ont été réunis pour s'entretenir sur l'essentiel de vivre ensemble, quelles que soient nos divergences. Le sujet du mariage des enfants et ses conséquences sur la scolarisation de la fille a été largement abordé par la conférencière et son équipe de sensibilisation. À cette occasion, la présidente de l'ASESCOF a demandé aux parents de laisser leur progéniture jouir de leur santé. Deuxième étape de sa tournée, la sous-préfecture de Laoukassi dans la région du Logone occidental. Ici également, elle a relayé le message axé sur la paix et la lutte contre les mauvaises pratiques qui ont des conséquences sur la santé des enfants, surtout les jeunes filles mariées avant leur âge d'adulte. Pour l'association, la scolarisation des enfants est importante et il est du devoir des acteurs de la société et les autorités traditionnelles d'apporter leur soutien à la politique du gouvernement qui vise le bonheur de tous les enfants tchadiens.